Salut à tous, c'est Greg et Dimi, et aujourd'hui on vous fait une petite ouverture et présentation de figurines un peu particulières. C'est les figurines en vinyle Disney Princesse. C'est parti. À l'occasion de la Saint-Valentin, Funko nous a sorti 4 boîtes de couple princier Disney. Ce sont des figurines vinyle qui ressemblent un peu à des Mystery Mini ou en peut-être un petit peu plus gros. Ils n'ont pas vraiment de nom particulier à part qui est écrit Disney Princesse. Et juste en dessous, c'est ce qu'ils appellent Romance Series, une série spéciale couple amoureux, assez mignon. Qui dit Saint-Valentin dit des boîtes avec une forme de cœur pour laisser apparaître le couple à l'intérieur de la boîte. Une boîte qui est vraiment effet premium, franchement c'est assez classe, noir avec pas mal d'effets dorés dessus. C'est vraiment super joli. Et donc derrière, vous voyez toute la collection, il y a 4 couples en tout et on va vous présenter les 4 couples. Bon, on commence avec cette première boîte qu'on monte depuis tout à l'heure et nous avons à l'intérieur Tiana et le prince Nevin. Bon, déjà, c'est pas pratique pour l'ouvrir. Oh là là, compliqué. Quand on ouvre la boîte, ce qui est vraiment pas mal, c'est qu'on retrouve des dorures tout autour. Et ce qui est encore plus génial, c'est que nous avons 4 petits pictos qui représentent les 4 couples princiers avec la grenouille, la rose, le soleil de réponse et le coquillage pour Ariel. Et comme c'est chiant jusqu'au bout, même pour enlever les figurines, c'est compliqué. Alors déjà, on a derrière une petite plaque dorée. Alors il faut savoir qu'avant de tourner la vidéo, j'ai décroché parce que les couples sont accrochés par des petits embouts en plastique qu'on retrouve souvent dans les jouets et on a 2 couples accrochés normalement. Et le truc pas pratique, vous entendez le bruit bien chiant du thermoformage? Ah oui, on entend. Et voici Tiana et le prince Nevin. Ce n'est pas la tenue en prince et princesse que l'on voit dans le film d'animation que quelques secondes. Là, c'est la tenue que l'on retrouve tout à la fin du film d'animation quand ils ont ouvert le restaurant que Tiana rêvait d'avoir. Et je trouve ça juste génial. Donc on a Tiana, hein, comme tu as dit, dans sa tenue de la fin du film. Elle est vraiment superbe, entièrement verte, parce que c'est un peu sa couleur. La robe, les gants, les chaussures, les boucles d'oreilles, le diadème, c'est peut-être un petit peu too much, mais en tout cas, ça rend super bien. Mais non, c'est un camaïeu de verre, ça rend très bien. Et puis sa coupe de cheveux est vraiment superbe. J'adore le visage aussi. Ça a un côté mignon, mais pas trop non plus. Elle a quand même le côté princesse, enfin jolie, je trouve. Et évidemment, avec nous avons le prince Nevin dans son petit costard à pantalon noir et à veste beige, avec la fameuse queue de pie de la veste juste derrière. Pareil, coupe de cheveux vraiment super sympa et on reconnaît bien par rapport au personnage dans le film. Et on le retrouve avec son petit ukulélé qui l'emmène partout parce qu'il joue de la musique. Après, ce qui est sympa avec ces couples de figurines, c'est que si vous les mettez à côté, ça donne un petit peu l'illusion qu'ils tiennent la main, qu'ils dansent ensemble. En tout cas, ça fait vraiment un couple de figurines. On passe au prochain couple avec Ariel et Eric. Donc les voilà tous les deux, là ils les ont représentés. Bon, Eric c'est la tenue qu'il a quasiment tout le temps, hein. Je crois qu'il a à peu près qu'une tenue. Deux. Ou deux. Quand il se marie aussi. Et Ariel c'est la tenue qu'elle porte pendant leur super journée où ils font plein d'activités, dont la fameuse promenade en calèche et bien évidemment la scène de Embrasse-la. Bon, je pense que tout le monde connaît Ariel avec ses cheveux un peu rouge-orangé. Après on retrouve sa robe qui est quand même assez simple, dans les tons de bleu avec le bas très bleu, le haut un peu plus bleu canard et les manches bleu ciel. Et le nœud qui tient ses cheveux de la même couleur que la partie haute de sa robe. On a aussi les petites chaussures à talons dans les bleus canard aussi. De son côté, Eric, hein, y a pas grand chose à dire dessus. Sa coupe de cheveux qui est vraiment bien représentée avec sa super grosse mèche. Et puis après, sa tenue vraiment très très simple, la chemise blanche, l'espèce de ceinture rouge, puis le pantalon gris, les chaussures noires. Voilà, vraiment, Eric, dans sa simplicité absolue. Les deux, juste à côté, ça rend super bien. Il y a quand même cet effet de mouvement, comme s'ils étaient un peu en train de danser aussi, avec les cheveux d'Ariel qui partent sur le côté. Puis comme t'as dit pour Eric, sa fameuse mèche de cheveux, c'est exactement pareil pour Ariel. J'ai vraiment l'impression que c'est dans ce dessin animé, ils ont voulu faire des grosses mèches de cheveux à l'avant du visage des personnages. Nous passons à mon couple préféré, la Belle et la Bête.
Quel magnifique couple, la Belle et la Bête, ou Adam de son vrai nom. Bon, évidemment, ils les ont représentés avec la tenue la plus connue, celle de la fameuse scène du bal, avec la magnifique robe de Belle et le magnifique costume de la Bête. Tu l'as dit, hein, la magnifique robe de Belle, franchement, elle est super bien représentée. On voit bien les deux teintes différentes de jaune, et puis les volants blancs. Elle a aussi ses jolies boucles d'oreilles jaunes assorties et un petit élastique dans les cheveux qui maintient sa superbe chevelure. Franchement, c'est super bien fait. Puis au niveau de son visage, moi j'adore, franchement, ils ont fait une expression qui va très très bien. Franchement, la Bête, je pense que c'est la plus belle figurine de cette série. La tenue, on la reconnaît direct, elle est super détaillée comme dans le dessin animé. On retrouve aussi le petit nœud qui lui tient, alors c'est pas des cheveux mais des poils. Et puis alors la tête, il est vraiment trop mignon. On dirait pas une bête, hein, il fait vraiment pas peur. Et puis alors j'adore ses cornes, comme ça un peu cornes de bouc ou de diable aussi un peu. Mais je trouve que ça rend super bien sur la figurine. Puis regardez-moi ce regard trop mignon. On a envie de lui faire un câlin. Bon et du coup on l'a dit, scène du bal, la fameuse scène mythique d'Histoire éternelle. Où ils dansent, et donc c'est pour ça qu'ils l'ont représenté, la Bête avec la main derrière le dos, et Belle qui tient sa robe pour danser plus facilement avec la Bête. Dernier couple, et il s'agit de Réponse et Flynn. Voilà donc les deux, Flynn et Réponse. Alors ils sont représentés dans la tenue qu'ils ont pendant tout le film d'animation en fait. On commence dans ce couple avec Réponse, avec ses longs cheveux qui ont été bien représentés. Franchement, c'est vraiment pas mal comme ça, un peu entortillé, qui part dans tous les sens. Puis là, on voit vraiment, elle a une tête en mode badass, hein, elle est prête à combattre avec sa poêle dans les mains. Et on la reconnaît très bien avec sa robe violette et rose. Ils ont représenté les petits motifs qu'il y a sur sa robe, vraiment tout petits, mais ils y sont tous. Et ce qui est vraiment bizarre avec cette figurine quand même, c'est qu'elle a des énormes pieds. C'est trop bizarre. Bon, elles ont toutes des énormes pieds, mais elle, vu qu'elle est pieds nus, bah ça se voit encore plus, je trouve. Mais à part ça, elle est quand même vraiment magnifique. L'expression du visage est vraiment pas mal aussi. Et de son côté, Flynn Rider, ou Eugène de son vrai nom, il a une tête vraiment égale à lui-même. Un peu le côté charmeur qui se la raconte. Mmh. Ses cheveux aussi, c'est bien fait. Sa tenue, elle est quand même assez détaillée. Franchement, plutôt classe. Avec le petit veston, la chemise blanche. Ses jolies bottes, on voit aussi sa ceinture avec le fameux petit sac, enfin ou sacoche accroché dessus. Puis là, il est armé d'un bougeoir, plutôt joli, avec un petit effet quand même doré. Et bien sûr, juste en dessous de son joli sourire, on aperçoit son petit bouc. Ça a beau être des petites figurines, il y a quand même tous les détails nécessaires. Franchement, c'est super bien fait. Et quand on les assemble, ça fait vraiment super stylé avec les cheveux de Réponse qui se mettent autour de Flynn. Ça montre bien la complicité qu'ils peuvent avoir dans le film d'animation. Et voilà donc pour la présentation de ces 4 couples de figurines Vinyl Disney Princess Romance Series. Ce qui est sympa déjà, c'est que les princes sont pas souvent représentés, c'est beaucoup plus les princesses, donc là ça permet d'en voir. Bon, la Bête, on le voit souvent, mais Flynn, Eric ou Navin, on les voit pas souvent, donc là ça fait plaisir. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils l'ont sûrement pas fait exprès, mais ce sont différentes étapes de la relation des personnages. Flynn et Réponse, où c'est ça peut être un peu situé n'importe où, mais peut-être plus vers le début. Pareil pour Ariel et Eric. Après, Belle et la Bête, c'est une étape un peu plus avancée. Et puis, vous avez carrément la fin de l'histoire avec Navin et Tiana. Donc, c'est sympa, en fait. C'est pas toujours la scène de fin ou une scène vraiment plus marquante qui a été représentée. Après, en plus, ce que je trouve rigolo, c'est que si on veut, on peut tout à fait s'amuser à changer les couples. Pourquoi pas, on va faire des nouveaux longs métrages. On peut tout faire. Tiens, regarde, tu peux mettre... Ariel avec Belle, voilà, pourquoi pas. Et puis Eric avec la Bête, regarde en plus. Ah, ça passe. Voilà. C'est tout à fait possible. En tout cas, on espère qu'il y aura une genre de série 2 de ces figurines pour peut-être la prochaine Saint-Valentin, puisqu'il reste quand même énormément de couples princiers qui n'ont pas été représentés dans cette collection. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à pousser un bon coup et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.